Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Alors vous le savez, les audiences radio sont tombées ce matin, on en parlait tout à l'heure avec Bastien Millau qui nous donnait le détail. À la rentrée de septembre, Fabien Namias, le directeur général d'Europe 1, avait promis de venir faire un bilan en mi-saison pour savoir ce que vous pensiez des nouveaux rendez-vous d'Europe 1. Il a tenu sa promesse. Il est avec nous ce matin, Fabien Namias, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Merci Julie. Merci de vous prêter à cet exercice pas facile qui est de répondre aux auditeurs d'Europe 1. Non mais on avait dit qu'on le ferait, alors exactement. On doit tenir nos promesses. Alors moi je vais m'effacer un peu parce que c'est aux auditeurs de vous poser les questions. Je voudrais juste commencer donc avec une question Twitter qui est arrivée, qui est de Garance et qui nous dit quel est le changement dans la grille dont vous êtes le plus fier ? Les changements et ce qu'on a maintenu. Moi, je suis fier et avec Denis Oliven, je crois qu'on parle d'une même voix là-dessus. Nous sommes fiers de l'ensemble de la grille. Ça, voilà. C'est langue de bois. Ça, non, c'est pas le langue changement. De bois. Non, c'est pas langue de bois puisque l'ensemble de la grille nous apporte aujourd'hui satisfaction et semble plaire aux auditeurs, comme en témoignent les résultats du jour après. À la rentrée, on a changé la matinale. Julie est bien placée pour en parler avec un nouvel anchorman, Thomas Soto. Il y a un nouveau programme juste après votre émission, Jean-Marc, Cyril Hanouna. Il y a une nouvelle formule le midi autour de Wendy Bouchard. Et tous ces rendez-vous progressent. Donc s'il y a une fierté, c'est pas sur un rendez-vous, mais c'est sur toutes les nouveautés qu'on a mis. Et c'est pas une fierté particulière, mais quand on prend un pari, et quand il est, je dirais pas gagné, ce serait prétentieux de dire ça aujourd'hui, mais qu'en tout cas, il semble en passe d'être relevé, on a une vraie satisfaction. Aujourd'hui, quelles sont les émissions qui grimpent et celles qui baissent dans la grille d'Europe 1 ? Là, vous allez encore dire que je fais de la langue de bois, donc, mais je ne vais pas non plus mentir pour avoir l'air de parler sincèrement. Tout progresse. Voilà. L'ensemble de la grille progresse. Sur la totalité de 6h à 1h du matin, vous avez une progression complète de la grille d'Europe 1. Les petits secrets de fabrication, vous savez, Médiamétrie nous envoie les résultats. Le vert, c'est quand ça progresse, et puis le rouge, c'est quand ça régresse. Bon, il suffit de regarder les colonnes d'Europe 1, tout est vert du début à la fin de la journée. Alors, il y a des performances plus ou moins notables. On a de très, très beaux résultats sur la matinale. On a des résultats formidables sur Laurent Ruquier, le 18-20 de Nicolas Poincaré. Autour de vous, Jean-Marc, puisque ce rendez-vous, là, on est en train d'en parler. Vous êtes de plus nombreux à nous écouter. Et c'est ça qui est satisfaisant. Ça veut dire que Europe 1, aujourd'hui, propose quelque chose qui semble cohérent aux auditeurs, qu'il n'y a pas un programme qui tire l'ensemble de la radio, mais que ce que nous avons proposé à l'antenne semble séduire. C'est la marque Europe 1. C'est l'identité d'Europe 1 qui est à nouveau aujourd'hui en phase avec les auditeurs. Allez, on va au standard d'Europe 1, c'est parti. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour Jacqueline. Merci beaucoup. Mais moi, je voulais déjà remercier toute l'équipe qui est au standard et pour leur accueil. Ça, il faut bien le signaler. Merci, c'est bien de le faire aussi, tout à fait. Oui, parce qu'ils sont dans l'ombre, on les Exactement. Et ils contribuent, ça je tiens à le souligner. Et puis surtout, vous remercier pour la qualité de vos programmes. Parce que sincèrement, moi j'étais avant une inconditionnelle sur une autre station et depuis que j'ai... Vous pouvez le dire, vous écoutiez France Bleu avant. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui... franchement, alors mes préférés, bien sûr, c'est Thomas Soto, son émission. Wendy Bouchard qui vraiment mène très très bien son programme. Elle a le respect de laisser les gens parler mais bien les couper au moment où il le faut. Elle a cette autorité. Et puis pour tous les programmes, c'est de la qualité quoi. Bon, c'est de la qualité. Bah écoutez, il n'y a même pas de questions pour Ça fait plaisir de pour vous entendre, Jacqueline. Donc voilà, Jean-Marc, des rendez-vous comme ça, c'est quand vous voulez. Exactement, attendez, ça va changer, bougez pas. Merci Jacqueline, en tout cas, on vous embrasse. Et merci pour votre nouvelle fidélité à Europe 1. Bonjour Madeleine. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Fabien Namias, directeur général d'Europe 1, vous écoute. Bah, je voudrais pas casser l'ambiance. Non, mais allez-y, allez-y. En revanche, je voulais remercier le service information pour les grandes signatures de samedi, où on a ouvert avec la Tunisie, pays dont on ne parle plus, sauf pour expliquer que finalement la situation est critique. Il y a une belle analyse avec Cota, avec d'autres signatures d'Europe 1. Absolument Madeleine, vous faites référence à ce qui s'est dit dans l'émission des Grandes Voix samedi, où effectivement on a nos amis ont souhaité dépasser les petites polémiques de la semaine pour évoquer la Tunisie, et c'était passionnant, je vous rejoins complètement là-dessus. Surtout vous avez dit des choses vraies, ce qui n'est pas toujours le cas. Pujadas a ouvert son journal avec la Tunisie la semaine dernière, il a fait une demi-seconde, c'était même pas la peine d'effleurer le sujet à ce point-là. Vous avez parlé d'une Tunisie positive, une Tunisie éduquée, une Tunisie où les femmes vont jouer un rôle important. Bon, peu importe, c'était rare et cher. Alors, et ça, je l'ai répercuté, moi. Vous avez raison. Sur mes comptes. Alors, ça c'est le point positif, Madeleine. Le point négatif, c'est les programmes. C'est-à-dire que, autant, c'est vrai, Michel Drucker, que je respecte infiniment, moi j'en avais ras-le-bol, mais le côté Cyril Hanouna, c'est pas mieux. Je trouve qu'Europe 1, en son temps, avait déniché des talents. Se contentez pas. Alors, je sais pas ce que fait le patron de vos programmes, mais si c'est pour
critiquer les stars de la télé qui finalement n'apportent pas grand-chose. On tourne en circuit fermé, je veux dire, on écoute la radio et on regarde la télévision, on tombe sur les mêmes. Vous n'avez plus ce côté guetteur, révélateur, vous ne dénichez plus des talents, c'était pourtant ça votre vocation dans le temps. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, vous voyez. Fabien Amias vous répond, Madeleine. Moi, je pense qu'Europe 1 a toujours la vocation, toujours le goût d'être aux avant-postes et de dénicher des talents. Et avec le patron des programmes, Bruno Gaston, avec Denis Oliven, quand on a souhaité confier à Cyril Hanouna la tranche qui suit celle que vous écoutez en ce moment, entre 10h30 et 12h30, je pense que nous avons pris un pari, parce qu'effectivement, Cyril Hanouna, il incarne sans doute un rythme, une façon de faire qui tranchait très nettement avec ce qui était proposé à Europe 1 jusqu'à maintenant à cette heure-ci, et sans doute aussi ce qui est proposé par les concurrents. Donc pour moi, sur cette affaire, nous sommes en initiative, et moi je suis très très fier de ce que fait Cyril chaque matin, où il fait bouger les murs, où il se passe quelque chose sur Europe 1, où c'est une radio vivante qui prend des risques, là aussi sans nous gargariser, c'est un rendez-vous qui conquiert de nouveaux auditeurs sur 3 mois, sur 1 an, donc ça s'annonce déjà comme étant un succès. Mais au-delà des considérations d'audience, je pense que c'est parfaitement en phase avec la cohérence dont je parlais tout à l'heure. C'est une information rigoureuse qui dit ce qu'elle a à dire, par exemple sur la Tunisie, vous l'évoquez Madeleine, et puis une information qui dit tout ce qu'elle a à dire sur les médias, sur les problèmes de société, avec vous Jean-Marc, et puis du divertissement, mais où on apprend des choses avec Guimier, Belmar et les autres. C'est ça Cyril Hanouna. Merci Madeleine. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Marc, bonjour Fabien, et bonjour à votre belle blonde. On vous entend très, très mal Jérôme, donc si vous pouvez faire une question courte, parce que le son n'est pas bon du tout. D'accord, merci. D'accord Jean-Marc. En fait, je suis très content de la grille de rentrée de Europe 1. Par contre, j'ai une petite déception, en fait, c'est qu'en ce moment, les émissions de consommation avec entraide avec les auditeurs, un petit peu façon expert, parce que la plupart d'entre nous... Je suis désolé, on vous entend vraiment mal. Jérôme, je vais peut-être poser votre question, hein. Je pense que ce sera plus clair. Jérôme nous dit, je trouve qu'il manque une émission d'entraide entre les auditeurs. Est-ce que c'est prévu? Parce que ça pourra apporter quelque chose de plus à l'antenne. Je suis désolé, Jérôme, le son est vraiment pas bon. Oui, mais pour répondre à Jérôme, cette émission, elle existe déjà, en réalité, avec Elena Morna, chaque jour, entre 15h et 16h sur Europe 1. Donc cette émission existe. Est-ce qu'on peut se poser la question d'élargir, d'en faire davantage? Ce sont des sujets de réflexion. On ne s'interdit pas d'y réfléchir à la rentrée. Mais aussi cette notion de service, cette notion d'écoute, cette notion de partage avec les auditeurs. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, qui à mon avis est très vertueux. Ce que fait Elena chaque jour entre 15h et 16h. Ce que fait Wendy Bouchard maintenant chaque jour entre 12h30 et 14h. Ça, ce sont des choses nouvelles sur Europe 1. C'est-à-dire écouter les auditeurs, partager avec eux et leur permettre de poser des questions et d'y répondre. Ça a été une inflexion majeure dans la grille d'Europe 1 cette saison. Merci Jérôme. Marie-Bonne, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous nous appelez de Suresnes. Absolument. Fabien Amias vous écoute. Merci beaucoup. Je voulais simplement vous féliciter déjà, premièrement. Ah bah merci Marie-Vonne, c'est adorable. Merci à vous. J'étais ravie ce matin d'entendre ça. Merci pour toute l'équipe. Ce qui me désole un peu, c'est que quand je suis en Bretagne, j'ai du mal à vous recevoir. Voilà, déjà, je voulais vous dire ça. Vous n'avez pas assez de relais. Ça, c'est pour nos amis du CSA, auprès de qui on n'est jamais suffisamment présent pour dire que nous avons besoin de davantage d'émetteurs pour être entendus par vous partout, y compris en Bretagne. Et petite parenthèse, on avait Fabien au Standard également qui nous disait « Je suis chauffeur-livreur et je n'arrive pas à capter partout Europe 1 », donc il voulait nous le dire. Donc vous avez répondu aussi, c'est le CSA qui donne des fréquences. Allez-y Marie-Bonne. Ça reste encore un problème pour Europe 1. Tous vos programmes me conviennent parfaitement et j'aime beaucoup Europe 1, il n'y a pas de souci. Que le matin, bon le matin c'est un régal avec les infos et puis après quand tu c'est un régal. Mais ce que je voulais vous dire, c'est M. Calbache qui quelquefois nous gêne. Parce qu'encore ce matin, il y a des moments où il devient agressif. Alors, je suis pas jeune non plus, mais je dois dire qu'il y a des moments où c'est même à la limite un peu grossier. Parce que ce matin encore avec Mme Kosciusko-Morizet, il s'est permis de lui dire, elle voulait lui dire quelque chose, et s'est permis de lui dire, bah, écoutez ça vous le direz ailleurs. Je trouve que c'est malvenu, c'est dommage. C'est dommage, parce que bon, c'est des bonnes interviews, mais franchement, là, j'ai trouvé, et c'est pas la première fois, donc je voulais vous le dire, ça me désole. J'entends ce que vous dites, et on peut s'honorer, merci Jean-Marc de laisser la parole comme ça à tout le monde, ça prouve bien que cette antenne est totalement libre. Absolument, c'est bien. Jean-Pierre El Kabach, d'abord, il a deux grandes qualités. La première, c'est que les meilleurs se bousculent pour être à son micro, que les plus belles interviews depuis la rentrée, elles ont eu lieu auprès de Jean-Pierre El Kabach, encore Silvio Berlusconi il y a quelques semaines, tout le
monde rêvait de l'écouter. Et puis, il a une façon de faire. Il pousse les invités dans ses retranchements. Oui, quand on est face à Jean-Pierre Elkabbach, ça n'est pas confortable. On sait qu'on va devoir répondre à de vraies questions, qu'on va pas pouvoir dérouler la langue de bois, qu'on aura non pas un contradicteur, mais un vrai intervieweur qui a bossé en face. Ça surprend un peu, ça peut de temps en temps écorcher les oreilles, mais moi j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Et donc, on en est très heureux. Merci Marie-Bonne, en tout cas, de l'avoir dit librement sur Europe. On fait une pause et dans un instant, Marc-Antoine Lebray arrive, à tout de suite. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.